Quelle place faut-il faire aux petites et moyennes capitalisations? C'est le sujet de l'atelier que nous démarrons tout de suite. Je suis avec Raphaël Moreau. Raphaël, bonjour. Bonjour Frédéric. Raphaël, vous êtes gérant du fonds Sextant PME chez Amiral Gestion. Et à vos côtés, il y a Sébastien Lemonnier. Sébastien, bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, vous êtes gérant du fonds Quadrige Europe Midcap chez InnoCap. Alors, quelle place il faut faire à ces petites et moyennes capitalisations? On va y aller, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter, enfin présenter votre maison et en moins d'une minute, c'est quoi les caractéristiques d'InnoCap et d'Amiral Gestion? Qui se lance? Allez, InnoCap Gestion créée en 2007, ouais. Société de gestion indépendante, entrepreneuriale, trois métiers, la gestion collective, la gestion privée et les fonds de FIA. D'accord. Notre ADN, c'est le private equity. Donc on a une gestion de conviction de stock picking, mais qui s'appuie sur une approche terrain engagée, c'est sans doute l'autre spécificité, en concentrant en fait nos investissements dans des fonds assez concentré, 30-40 valeurs. Donc c'est en favorisant la gestion de conviction. Hein. Voilà, en favorisant des sociétés leaders best in class. D'accord. Qui profitent d'une vision industrielle à long terme et à court moyen terme d'une accélération potentielle de leur croissance. Vous gérez combien d'encours? 550 millions d'encours à D'accord. peu près. Donc c'est une grosse boutique. Une belle boutique pour faire un bon travail sur le terrain. Ok. Sextant PME, Amiral Gestion, Raphaël Moreau, on peut en dire quoi? Amiral Gestion, c'est presque 20 ans. On ne présente plus. Tout le monde connaît plus ou moins bien quand même Amiral maintenant. En tout cas, dans les small caps, effectivement. Ouais. Donc, c'est presque 20 ans. 3 milliards d'euros sous gestion. Ouais. 50 collaborateurs, dont une bonne moitié à la gestion et répartis sur 3 bureaux, Paris, Singapour et Madrid. 3 milliards d'euros, ça commence à faire, c'est plus une boutique. C'est InnoCap qui a grossi. Oui, bah, on a eu une belle croissance ces dernières années, effectivement. Et puis, 7 OPCVM, dont les fonds Sextant. Voilà, une philosophie de gestion, un process de gestion qui intègre vraiment une connaissance intime des sociétés et de leur management et une grosse importance accordée à la valorisation des entreprises. Voilà, et vous êtes actif aussi bien sur le côté que sur le non-côté. Non, on ne fait que du côté chez Amiral. Hein, ouais. Voilà, sachant qu'effectivement, on va parler de petite et moyenne capitalisation. Ça peut être côté, ça peut être non-côté. Pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi on parle de sujet aujourd'hui? Parce qu'au cours des dernières années, il y a quand même eu des belles performances sur ces petites et moyennes capitalisations. Vous pouvez rappeler quelques chiffres? Alors sur 2020 en particulier, effectivement, les small caps ont bien performé. Sur la France, on est plus 9 sur le CAC small, plus 9% contre moins 9, pardon, plus 7% sur le CAC small, ouais, contre moins 7% pour le CAC 40. En Europe, c'est à peu près les mêmes tendances, plus 5% sur le MSCI Europe Small, moins 5% sur l'Eurostock 50. Donc ça, c'est 2020, mais sur longue période, ça donne quoi, les petites et moyennes valeurs? En fait, c'est vrai que nous, on a une approche terrain engagée, on accompagne les sociétés, donc on aime bien avoir une perspective longue, et donc on regarde aussi les performances de long terme. Ce qui est intéressant, c'est que les petites et moyennes valeurs, quand je prends notamment l'indice MSCI MU Small, ouais, surperforment sur toutes les périodes, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, les indices large cap tels que le Stock 600 avec des performances qui sont sensiblement différentes en leur avantage. D'accord, donc ça milite en faveur des petites et moyennes valeurs. Est-ce que ce n'est pas au prix d'un regain de volatilité? Alors on peut avoir un peu plus de volatilité, je pense qu'il y a deux éléments. On parlait tout à l'heure de croissance. Les small et mid cap ont une croissance qui est en général 2 à 3 fois supérieure au large cap. Ouais. Donc elles peuvent parfois profiter en effet de cette accélération de croissance, mais aussi de la décélération de croissance qui peut créer un peu de volatilité à court terme. Et puis l'autre élément, on sait que ça dépend aussi un peu de l'attitude de flux des investisseurs, s'ils sont risk-on ou risk-off. Et en général, quand on est risk-on, ça profite justement à des actifs un petit peu moins liquides. Mais là aussi, on pourra en revenir. Je pense que ce qui est important, c'est l'investissement de long terme. Et qui dit investissement de long terme dit que la question de la volatilité se relativise, quoi. Oui, alors là-dessus, j'ai envie de dire que la volatilité, elle a plutôt tendance à être inférieure en fait en temps normal. Par contre, en période de crack, du fait des flux, il peut y avoir une forte baisse. Alors, ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'en 2020, on a eu un crack en début d'année, on l'a tous oublié in fine, mais on a eu quand même un beau crack, et les small caps n'ont pas sous-performé cette année. Alors aussi, parce que malgré les performances excellentes sur longue période que Sébastien vient de mentionner, en 2018 et 2019, on a eu une très grosse sous-performance des small caps. Hein. On a eu deux années très difficiles. Sur le CAC small, c'était la plus forte sous-performance depuis la création de cet indice. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2020, on n'a pas eu cette sous-performance malgré le crack, tout simplement parce que le marché n'était pas positionné. C'est quoi les facteurs de soutien de ces petites et moyennes valeurs? Alors, les facteurs de soutien, vous disiez, voilà, sur la crise de 2020, ça a bien résisté. Alors, les facteurs de soutien, aussi bien présents, passés que futurs. Qu'est-ce qui explique? Vous nous donniez des chiffres sur 20 ans, sur performance par rapport au large cap. Qu'est-ce qui fait que ça,
ça performe comme ça? Alors, je pense qu'on peut distinguer deux éléments. Il y a la partie structurelle, pourquoi à long terme. Je pense que le premier élément, c'est tout simplement dans l'ADN de ces valeurs. C'est des valeurs qui sont assez peu diversifiées en termes d'activité, qui ont souvent un actionnariat qui peut être familial, une organisation assez simple, une allocation du capital aussi qui est plus efficiente. Organisation plus simple, familiale, meilleure efficacité, meilleure réactivité, c'est ça? Exactement. Et du coup, on optimise le potentiel d'accélération de croissance, tout simplement. D'accord. Et dernier élément, elles sont souvent cibles d'OPA. Elles sont souvent spécialistes, elles peuvent être innovantes. Elles sont parfois incontournables sur des niches d'activité. Et donc, elles font souvent l'objet, parfois, de convoitises des gros acteurs. On a eu, par exemple, sur les 5 dernières années, sur la gamme Quadrige, donc l'ensemble de notre gamme, un peu plus de 15 OPA qui sont, en fait, finalement, le reflet d'un meilleur condensé qu'on peut trouver, en fait, finalement, dans un univers très riche. Quand il y a une OPA sur une valeur que vous avez en portefeuille, ça conforte votre travail. Ça veut dire que vous avez eu le nez creux et que c'est ce qu'il fallait mettre en portefeuille. On n'achète pas une valeur pour ça, mais c'est la cerise sur le gâteau. Et mais c'est quand ça survient, c'est bien. C'est le reflet pour nous. Notre travail, c'est d'essayer de valoriser la qualité intrinsèque, la qualité de l'innovation d'une société. Et donc, c'est juste simplement le reflet qu'on a peut-être bien travaillé, mais là aussi, ça dépendra bien sûr de la prime. Moi, souvent, ça m'agace quand j'ai des OPA sur mes titres. En général, on ne peut pas toujours dire. Ah bon, je pensais que c'était flatteur pour un gérant de se voir confirmé dans ses convictions. C'est-à-dire quand vous fournissez un travail très important sur une société pendant de nombreuses années, que vous avez accumulé une connaissance, et a priori, si vous avez un portefeuille, c'est souvent quand même pour faire plus que 30%, qui est souvent la moyenne en fait, des primes. Donc quand elle sort du marché, finalement, vous perdez un peu cette connaissance qui va vous servir dans les années futures. Bon, après, nous, c'est vrai que dans notre style de gestion, on est plutôt des chasseurs. Enfin, on n'est pas des chasseurs d'OPA, on cherche plutôt des consolidateurs. D'accord. Plutôt que les cibles, on cherche plutôt ceux qui vont finalement digérer ces cibles et les améliorer. Donc, les prédateurs. Voilà. Et en tout cas, les bons élèves. Ce que vous dites, Raphaël, me fait penser à une question que je n'avais pas prévu de vous poser. Mais vous dites, oui, quand on a passé du temps à sélectionner une valeur, ça fait mal au cœur de l'avoir disparu. Est-ce que quand on travaille sur les petites et moyennes valeurs, plus que quand on est sur des grandes caps, on ne tombe pas parfois un petit peu amoureux de façon déraisonnable des valeurs qu'on a en portefeuille? Vous voyez ce que je veux dire? On ne les lâche plus, on ne veut plus les vendre. On peut avoir ce genre d'erreur, effectivement, parfois, de tomber un peu amoureux quand on aime beaucoup le management. Parce qu'effectivement, on développe des relations relativement intimes, en fait, avec les managements, avec les entreprises, qu'on a un peu l'impression d'être les seuls à connaître aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inefficience, les sociétés sont souvent mal connues. Donc ça peut être un biais dans lequel on tombe, mais il faut aussi ne pas vendre trop tôt. Donc c'est toujours l'alternative, le basculement entre le greed et le fear, et pas faire l'erreur non plus de sortir trop tôt. Vous, Sébastien, vous tombez amoureux parfois de certaines valeurs, et puis après coup, vous dites « on aurait dû vendre ça plus tôt et... ». Non, on a une gestion de fonds qui est très concentrée. On a entre 30 et 40 valeurs en moyenne dans les fonds. On peut avoir des pondérations qui montent jusqu'à 7-8%, donc c'est assez engagé. Et justement, pour bien le faire, on est amoureux d'aucune valeur. On est très pragmatique et on peut avoir une sorte de rotation assez forte, mais souvent sur les mêmes valeurs. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de notre ADN Private Equity. On a une approche terrain engagée. On passe notre temps sur le terrain. Ça veut dire quoi, approche terrain engagée ? C'est concrètement, c'est 900 rendez-vous tous les ans en moyenne, cet univers des small et mid-cap, dont la moitié des one-to-one. Et même en 2020, malgré l'environnement et les contraintes, j'ai réalisé à peu près 400 contacts sociétés avec des valeurs. Et pour l'essentiel, finalement, c'est l'avantage de travailler avec un fonds concentré 30-40 valeurs, c'est qu'on essaye de coller aux informations du terrain. C'est-à-dire qu'en moyenne, j'ai eu en 2020 une à deux fois les sociétés tous les deux mois. Donc je suis très proche de mes investissements, je parlais d'accompagnement, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place pour justement être le plus agile possible et le plus pragmatique possible dans nos décisions d'investissement. D'accord, et ça vous fait une véritable remontée de terrain. Après là-dessus, il y a quand même des périodes en fait, où ça se prête plus ou moins bien. Par exemple en 2020, notre portefeuille a beaucoup plus tourné que d'habitude, notamment sur la période mars-avril où il y avait beaucoup d'aberrations au marché. Il y a des sociétés qui effectivement qu'on suit depuis très nombreuses années, qui sont dans le portefeuille depuis... selon les fonds, depuis parfois plus de 10 ans, qu'on n'a pas hésité à vendre, même si on adore, et même si à très long terme on adore. Par exemple, en mars, il y avait des sociétés très affectées, a priori, par la pandémie, comme Voyageurs du Monde, par exemple, qui perdaient 30, 35%, 40%, ou Dow & Co., une société dans le catering aérien, une société autrichienne. Là, il faut être capable de couper. Et on n'a pas hésité à les vendre parce que, juste en face, on avait des sociétés qui, a priori, n'allaient pas être beaucoup affectées, qui voyaient leur cours parfois baisser de 50%. Donc, le portefeuille a beaucoup plus tourné en 2020 que d'habitude. Oui, habituellement, vous êtes sur des rotations de quel ordre? Vous êtes sur le non-côté, donc moins de rotations. Sur le côté. Sur le côté. En général, une valeur reste en moyenne 3 ans dans le portefeuille. Après, effectivement, son poids varie. Mais grosso modo, c'est à peu près. On va dire qu'il y a un tiers du portefeuille aujourd'hui qui n'était pas là il y a 3 ans.
OK. Et rotation, chez vous ? Pas de règle générale, c'est très compliqué. Tout va dépendre de la performance et du momentum d'activité et d'éventuels catalyseurs qui peuvent susciter des flux positifs ou négatifs. C'est vrai que nous aussi, en 2020, on a beaucoup tourné le portefeuille parce qu'on a été très pragmatique. On a abordé l'année 2020, finalement, en étant assez orienté risk-on, ce qui avait expliqué d'ailleurs pourquoi on avait une bonne performance en 2019. Et on n'était pas prêt à la crise du Covid. Donc, il a fallu être très réactif, très vite. Je parlais tout à l'heure des contacts sociétés. Les deux premières semaines de confinement, j'ai fait 20 contacts sociétés en 2 semaines. Et ce qui m'a permis, en fait, d'être très réactif dans mes décisions. On a identifié très vite 2 thèmes, essayer de trouver des sociétés gagnantes conjoncturellement et structurellement du Covid, en quelque sorte, on pourra revenir dessus. Et puis l'autre aspect pour nous, c'était l'Asie, qui était à l'époque rentrée avant nous, en fait, en confinement, qui du coup, de facto, devait sans doute sortir plus tôt. Et puis avec un œil plus personnel, que la population est sans doute plus disciplinée, donc on croyait plus au succès. Et on a eu notamment, par exemple, un investissement à l'époque en Moncler, qui était assez important, et d'autant que Moncler fait que 10% de son chiffre d'affaires sur le Q2. Donc beaucoup de pragmatisme. Mais ça, ça passe vraiment par des informations qu'on va dénicher non-stop sur le terrain. Et c'est en ça où cette période de vidéoconférence, que beaucoup ont regretté, en fait, pour nous, a été géniale, parce qu'on n'a jamais été aussi près des sociétés. Et quand on travaille d'un salon, dans le salon du PDG d'une société, ça rapproche encore plus, finalement. Bien sûr. Un de vous deux le disait tout à l'heure, plus que sur les grandes caps, la proximité avec les sociétés, c'est important, parce que souvent, elles sont moins suivies, il y a moins d'analyses, donc beaucoup de visites, soit des visites sur le terrain, soit de call. Vous citiez tout à l'heure quelques chiffres. Votre gisement, à l'un comme à l'autre, il est européen. Il est européen, effectivement, pour nos deux fonds. Je crois qu'on est tous les deux des fonds européens. Avec ou sans UK ? Désormais, il n'y a plus de UK. Dans l'éligibilité, en tout cas, nous, on gère un fonds qui est éligible au PEA et au PEA PME, hein, sextant PME. Pourriez avoir un petit croupion du UK. On pourrait en avoir, mais oui, on a peut-être 0,1. D'accord, oui, c'est vraiment. Mais effectivement, c'est assez accessoire. Et c'est les valeurs éligibles au PEA PME, c'est environ 2000 valeurs en Europe, dont 200 valeurs françaises. Là, je prends les sociétés plus de 50 millions de market cap. D'accord. Pareil, gisement pan-européen. Un gisement très large. Je pense que c'est l'avantage de l'Europe. Donc nous, on a toujours fait de l'Europe ex-UK. On a plus de 3000 valeurs dans notre univers. Après, on pourra en parler tout à l'heure. On a des screens, des filtres qui font qu'on réduit considérablement. Mais au-delà de la diversité, en fait, c'est la richesse. Souvent, on n'en parle pas assez. On a en Europe des pépites, des champions industriels, que ce soit en Allemagne, dans les pays nordiques, mais aussi en Italie, par exemple, qui est, moi, une zone que je connais très bien depuis 20 ans, qui est souvent mal comprise, un peu délaissée, sans doute, parce que les investisseurs anglo-saxons n'ont pas voulu investir en Europe depuis 10 ans. Pour des sujets, justement, comme il y a eu avec le Brexit et d'explosion. Je pense que là, justement, on voit qu'avec les plans de relance, de soutien et l'attitude de la Banque centrale qui agit en Europe, enfin, comme la Fed aux États-Unis, sans doute les choses sont en train de changer. Et c'est là aussi, je pense, porteur pour les actions européennes et donc encore plus, de facto, à mon sens, pour les small et mid cap. Mais en même temps, un grand gisement de valeur comme ça, qui est sur un territoire très vaste, où on parle plusieurs langues, ça pose des questions de suivi. Enfin, comment on fait pour identifier ces pépites? Un de vous deux citait le fait qu'il y avait plein de pépites cachées, mais comment on fait pour les débusquer ? Non, je pense qu'il y a un des sujets, c'est effectivement déjà la taille de l'équipe de gestion, hein, puisque effectivement, quand on veut gérer des fonds potentiellement de plus en plus gros parce qu'ils ont du succès et que les clients ont envie d'investir, il faut quand même pouvoir avoir des bras et des cerveaux qui rencontrent toutes ces entreprises. Hein. Donc nous, sur l'Europe, on est 7 ou 8 à défricher effectivement l'Europe, avec quand même des spécialités pays, mais quand même des points d'ancrage quand même. D'ancrage on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. De l'Allemagne, de la Suède, des pays nordiques, de la France, etc. Donc la profondeur d'équipe, c'est quand même important. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, il y a toujours des gens tentés par du titre VIF. Vous auriez une pépite à nous citer, là, quelque chose que vous avez en portefeuille, qui vous semble intéressant? Bon, je vous laisse un peu réfléchir, on y reviendra tout à l'heure. Donc profondeur du gisement, plusieurs milliers de valeurs. Un travail en équipe, je crois que c'est important, vous le disiez l'un comme l'autre. Et puis, je crois que c'est vous, Sébastien, qui parliez de screening. Oui, c'est ça. Pour moi, la réponse est une méthodologie rigoureuse. On a chez InnoCap Gestion, en fait, des critères d'investissement qui sont très forts. On a d'ailleurs créé une notation InnoCap Gestion sur lequel toutes les valeurs qui sont dans notre univers sont notées. Et nos principes, c'est des leaders incontournables dans le monde, différenciantes, uniques, best in class en quelque sorte, qui sont capables finalement d'amener de la croissance avec de l'intelligence qu'elles apportent via l'innovation et qui sont aussi capables de faire une bonne allocation du capital pour justement réinvestir dans leur cœur d'activité et créer de la croissance, l'optimiser. Mais Sébastien, qu'est-ce que vous appelez une société leader ? Parce que dans notre esprit, une société leader, c'est une grosse société, c'est un Apple, c'est un Microsoft, c'est...
C'est quoi une PME, une Alors, je vais vous prendre l'exemple d'une valeur qu'on a en portefeuille depuis 2020, qui n'est pas une recommandation, mais c'est une de nos fortes convictions. La société Mar. Mar, c'est un acteur italien qui est leader dans la distribution de produits alimentaires pour les restaurants. Alors, on s'est intéressé à cette société en 2020, parce qu'on a fait un screen, en fait, pour essayer d'identifier à partir du premier faux départ suite au confinement, quelle valeur, en fait, montait le plus et avait ensuite corrigé. Et on essayait de s'intéresser, là aussi, au best in class, donc notamment des valeurs qui avaient été assez détenu par les investisseurs, en fait, sur les 10 dernières années. Mar en faisait partie. Et Mar, c'est un leader qui, quand moi, je suivais la société il y a à peu près 15 ans, avait 6% de parts de marché. D'accord. Mais par le côté vertueux de son business model, gagne continuellement des parts de marché, encore plus pendant les périodes de crise quand ses concurrents souffrent. Et aujourd'hui, c'est un acteur qui a 15% de parts de marché. Donc, en 10 ans, il a fait quand même un beau parcours, d'accord, en plus de sa croissance intrinsèque sur son marché domestique. Et donc, c'est le genre d'acteur qu'on essaye de dénicher. Mais ça, là aussi, ça passe par beaucoup de travail sur le terrain. Je vous parlais tout à l'heure de 900 contacts. Ouais. Tous les ans. Donc un screening, on va identifier croissance du chiffre d'affaires, poids dans un secteur, et à partir de là, on va réduire la cible, c'est ça? Alors pour nous, ça c'est notre univers, et ensuite il y a trois éléments. La valorisation, pour avoir assez de surprises, notamment par rapport aux ententes du consensus. L'accélération de croissance, qui est pour nous déterminante. On a 30-40 valeurs, on est amoureux de rien. Pas un fonds de buy and hold, en quelque sorte. Donc, on cherche cette accélération de croissance. Et le dernier, c'est les flux. On est des gérants small cap, donc on sait aussi qu'il faut prendre en compte la liquidité. Et donc, gérer les facteurs éventuels d'événements qui peuvent amener des flux positifs ou négatifs sur les titres. C'est les 3-4 critères sur lesquels on travaille et qui font qu'une valeur est présente à un moment donné en portefeuille ou non. Et vous, Raphaël Moreau, comment vous réduisez ce vaste univers à quelques centaines de valeurs investissables? Disons que c'est effectivement très compliqué. C'est pas vraiment une approche de screening. Alors c'est aussi plutôt on accumule de l'expérience, en fait, de la connaissance, en rencontrant ces entreprises à de très nombreuses reprises pendant des années. Parfois, on va travailler dessus pendant des années avant de un jour d'avoir l'opportunité. Effectivement, nous aussi, on a fait du Mar. On en avait plus depuis 2014, je crois. Et là, on en a refait en 2020, effectivement. Ouais. Bon, nous, on les a déjà ressortis. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de volatilité en ce moment. Donc, effectivement, après, je peux comprendre qu'on en est toujours. Il y a pas la société est très belle. Il y a beaucoup d'accumulation de connaissances qui se fait au fil des années. Et il y a un moment, le marché nous donne une opportunité. On est très modèle-oriented. On a des modèles sur des centaines de sociétés qu'on met à jour très régulièrement. Et on sait qu'il y arrive des opportunités. 2020, on a généré beaucoup. Mais pour nous, c'est très difficile de découvrir une société et de l'acheter dans le mois. D'accord. On va passer beaucoup de temps à observer, à digérer, il faut que ça percole et qu'on ait vraiment une bonne intimité avec la société. Après, ce qui est important, c'est l'expérience et ce que tu disais, en fait, le vécu sur le terrain. C'est-à-dire que quand on a des valeurs, en fait, 30-40 valeurs en portefeuille, ça nous évite aussi de suivre trop de valeurs. On a des moyens qui peuvent être limités. On est 20 personnes à peu près dans la société, mais qu'on soit 20-50, c'est à peu près pareil finalement. Et nous, on préfère se concentrer sur peu, mais essayer de le faire le mieux possible, ce que je disais, essayer de coller à l'information du terrain pour être ensuite le plus pragmatique, le plus agile possible. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas patient, parce que justement, des valeurs comme Mar, ou je pourrais vous parler du Belge Kinépolis, c'est des valeurs que je suis depuis longtemps. Kinépolis, j'en ai pas eu depuis 10 ans, mais là aujourd'hui, c'est une très forte conviction dans notre gestion. Sans faire une étude de cas, je trouve intéressant parce que vous citez cette valeur italienne Mar que moi je connaissais pas. Il y en a un qui l'avait acheté par le passé, qui est revenu mais qu'il a déjà revendu, vous en avez en portefeuille, vous n'avez pas vendu. Ça, comment fonctionne votre construction de portefeuille? À quel moment vous dites, ok, ça, je mets une ligne sur cette valeur? Et est-ce que vous fixez un horizon, un objectif de cours? À quel moment vous dites, je sors la valeur qui se lance? Non, vous, je crois, par exemple, nous, c'est vous dites, très bottom-up. On est ressorti. Nous, c'est très bottom-up. Alors, effectivement, Mar, c'était un titre qui valait 20 euros en début d'année, puis qui est tombé vers 11, 12 euros, en fait, sur les plus bas donc cette là, année. Donc là, ramassé. On est remonté à 17. Donc, finalement, pour moi, on a déjà à peu près normalisé la chose, sachant que Mar, c'est une société qui apporte des ingrédients, des aliments aux restaurants et aux hôtels. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'activité, elle souffre beaucoup. Mais elle va rebondir, parce que les gens, ils ont toujours envie de voyager et d'aller au restaurant. Donc, et de manger. Donc, ça va revenir. Et le tourisme en Italie, il va revenir aussi. Donc, il y a une perspective un peu long terme de se dire, ça va revenir, ça va se normaliser, et profitons de l'occasion aujourd'hui pour en acheter. Après, la vraie question, opportuniste, là. C'est très opportuniste. Après, la vraie question, et c'est pour ça que ça se défend tout à fait d'en avoir. Il va défendre sa position, parce que c'est votre position. C'est qu'effectivement, la grosse question, c'est combien de Mar a gagné de parts de marché, en fait, en 2020. D'accord. Parce qu'effectivement, ils sont les mieux, c'est la société leader, la mieux gérée, qui,
qui a gagné des parts de marché en 2020. Combien, c'est difficile à dire. Mais donc, effectivement, la société devrait sortir plus forte en 2021-22 de la crise que quand elle était entrée. Après, il y a aussi une question du timing. Et je pense qu'il ne faut pas non plus être trop optimiste sur la sortie de timing de crise. Et donc, c'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent, on associe gestion de petites et moyennes valeurs à gestion de conviction, donc portefeuille resserré et puis longueur de temps. Hein, on se dit, avant de rentrer, je prends le temps de réfléchir, c'est ce que vous disiez. Et puis, une fois que j'ai pris une position, ben, je vais pas la liquider comme ça. Et pour autant, ça n'interdit pas d'être opportuniste. Mars était à 20 euros, ça tombe à 11. Là, on se dit, il y a quelque chose à jouer. Les fondamentaux sont bons. C'est des opportunités que vous voyez par ailleurs. C'est aussi en relatif. Hein, c'est pas forcément oui. qu'en absolu. Moi, Mars, j'aime très bien. Pour 20 ans, j'aime très bien. Mais c'est aussi en relatif. Et j'ai trouvé d'autres idées, comme du Safoland, par exemple, en Allemagne, qui est une société équipementier dans les camions, qui est une société de redressement, une société très bien positionnée sur le papier, mais qui n'a pas extrait tous ses avantages compétitifs dans le passé. Il y a eu un changement de management qui, pour le coup, est très impressionnant. Et on pense que voilà, il y a une meilleure idée ici que... Ça pourrait être un peu une belle endormie, cette société allemande, vous dites, ça n'a pas tout donné. Sur Mar, donc vous en aviez depuis un certain temps, et vous dites, ben... Je garde parce qu'il y a de la croissance, c'est un leader, c'est typiquement ce que vous aimez, vous. Non, on la suivait depuis longtemps, mais on a justement été patient pour profiter en fait, de la fermeture des restaurants, pour se dire, tiens, il y a une exagération potentielle ouais. de marché, et on croit à la normalisation, on croit au monde de demain, après le Covid, tout simplement, retour à la mode de vie normaux. Donc, pareil, le facteur déclenchant, ça a été le fait que ça plonge, c'est tombé ça. Vers 11 ou quelque chose. Donc là, vous dites, OK, on y va. Et pour nous, en fait, pourquoi est-ce qu'on a acheté? C'est qu'on identifie, ce que je disais, il y a deux facteurs qui font qu'on identifie à l'achat potentiellement une valeur, c'est l'identification d'une inflexion, de l'accélération de croissance. Donc quand vos restaurants sont fermés, le peu que vous allez faire en plus sera forcément que positif. On pense aussi qu'à un moment donné, à horizon 6, 12, 18 mois, les restaurants vont rouvrir en Italie. C'est notre conviction. Donc c'est pour ça qu'on en a. Et puis l'autre, c'est justement le sujet du flux. C'est qu'on a quand même aujourd'hui beaucoup de pessimisme encore. Et c'est normal parce qu'il y a des cas de Covid qui continuent. Mais justement, on pense que toute nouvelle positive peut rassurer et créer une forte inversion sur les flux. Ce qu'on a connu fin début novembre avec les arrivées sur le vaccin, les annonces sur le vaccin, c'est assez rare de vivre en fait un crack à l'envers avec des cours qui ont monté de 20-30%. Alors... Oui, c'est vrai, c'est énorme en quelques mois, mais on partait aussi très très bas. Quand je prends un acteur comme Kinépolis, qu'on détient en portefeuille, qui n'est pas une recommandation, hein, qui est vraiment une conviction, un exemple d'investissement dans notre fonds, Kinépolis, ça valait 60 avant le Covid, c'est tombé à 20. Aujourd'hui, on est entre les deux, on est à 35. Donc c'est à nous justement de gérer la volatilité des titres small et mid cap. C'est pour ça qu'on ne croit pas au buy and hold, qu'on a une gestion très active. Le vainqueur de cette crise en 2020, c'est la gestion active sur la gestion passive et encore plus sur les small et mid cap. Et c'est à nous justement de faire le job en étant présent sur le terrain, en identifiant quand les flux peuvent revenir et quand l'accélération de croissance va s'opérer. Ok. Sur cet univers des petites et moyennes valeurs, alors c'est vrai que c'est entre guillemets sympathique parce qu'on a un accès plus direct au management. Souvent, c'est des aventures entrepreneuriales, il y a des choses à raconter. En même temps, des fois, on peut se tromper, c'est moins bien suivi par les analystes, il y a moins de couverture médiatique sur ces entreprises. J'ai envie de vous demander comment on fait pour distinguer le bon grain de l'ivraie. Sans nécessairement donner le nom d'une société, mais est-ce que vous pouvez, sans donner le nom, une entreprise, vous y êtes intéressé, et puis au bout d'un certain nombre de semaines ou de mois, vous êtes dit, bon, bah, c'est bien, mais on n'y va pas. Et pourquoi vous n'y êtes pas allé alors que vous y êtes intéressé? Donc, vous vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est les leaders. Et puis, vous vous dites, bah, quand même, minimum, je crois que c'est 30 ou 50 millions de capital, donc des boîtes qui ont déjà une certaine surface. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous n'avez pas franchi le Rubicon? Parfois, c'est quand même souvent quand il y a quelque chose de pas clair. Alors, ouais. quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi, j'ai envie de dire. D'accord. C'est-à-dire que, quand il y a un doute, c'est déjà voilà, une question de trop. Nous, on passe beaucoup de temps dans notre analyse sur l'historique. Tous nos fichiers remontent à 2004. Donc, on passe beaucoup de temps à comprendre comment l'entreprise elle est arrivée là où elle en est aujourd'hui. On fait évidemment des projections pour la Valo, mais toutes les accélérations, les ralentissements, les accidents de parcours, on les analyse, on veut les comprendre. Donc ça, pour nous, c'est très important. On passe beaucoup de temps aussi pour comprendre l'allocation du capital, parce que parfois, l'entreprise, je veux dire, le business opérationnel, il peut être extrêmement sain, excitant, avoir des belles perspectives. Et l'allocation du capital, c'est-à-dire, l'allocation du capital, pour faire simple, c'est qu'est-ce que va faire l'entreprise avec ses profits.
Tout comme vous, quand vous investissez dans un fonds, bon, bah, vous achetez peut-être le portefeuille, mais vous achetez avant tout ce que le gérant va en faire, en fait. Bien sûr. Et l'entreprise, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire de ses profits? Parce que généralement, elle ne vous les rend pas en totalité. C'est très, très rare quand même. Et c'est pareil. On veut comprendre l'allocation du capital. Est-ce que cette société déjà comprend que l'allocation du capital peut être créatrice de valeur? Racheter ses titres, par exemple, quand ils sont pas chers, ou peut-être faire des augmentations de capital quand le titre est trop cher, faire des acquisitions, etc., etc. Et aussi, ça, ce sont des éléments qui sont primordiaux, en fait, dans l'analyse. Est-ce que vous avez en tête un exemple d'entreprise sur laquelle vous avez planché des semaines ou des mois, et puis au dernier moment, vous n'avez pas appuyé sur le bouton? Je peux citer, mais je ne citerai pas de nom, deux sociétés dans le même secteur qui ont exactement, sur 10 ans, la même performance opérationnelle, même croissance organique, même taux de marge. On pourrait se dire que le parcours boursier va être le même, sauf que dans un cas, l'une va avoir fait x3 en fait en 10 ans et l'autre va avoir fait plus de 50%. D'accord. La différence, c'est qu'il y en a une qui a une bonne allocation du capital et pas l'autre. Voilà. Et donc, il y en a une, on a senti en début d'année, parce que comme les titres avaient beaucoup baissé, que potentiellement, ils allaient enfin racheter des titres, et alors qu'ils avaient beaucoup de cash. Donc, on s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment où. Donc, on en a acheté, puis on a vu qu'ils avaient raté l'opportunité. Donc, on est ressorti. D'accord. Ok, on sent une petite déception chez vous. Bien sûr, une frustration, puisqu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, parfois. Ok, d'accord. Sébastien, même question. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est intéressé à une valeur, et puis au bout de 3 mois, on se dit, on passe notre tour? En fait, c'est beaucoup d'humilité. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure de la méthodologie, la rigueur, en fait. Donc, ce qui nous permet de créer l'univers InnoCap Gestion à partir de notation. Ensuite, c'est l'humilité, c'est-à-dire qu'on a toujours les informations du terrain, on n'est pas naïf, c'est l'expérience. Moi, j'ai un vieux gérant qui m'a dit, l'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert, en fait. Donc, ça faut un peu de temps, quoi. Faut du temps. Et c'est vrai, quand on rencontre un dirigeant d'entreprise, c'est toujours la plus belle boîte. Il ne faut pas être naïf. Mais aussi, il faut être humble et regarder ce que font les autres. C'est pour ça que moi, j'aime bien regarder ce que les autres gérants ont adoré à un moment donné, parce que quand il est délaissé, peut-être que justement, il y a un excès. Et souvent, d'ailleurs, c'est à juste titre, hein, le marché est efficient. Il faut justement être très humble, mais aussi très pragmatique. Et c'est pour ça que pour nous, le critère, c'est la société, l'accélération de croissance, mais aussi les flux potentiellement. Parce que le marché est plus fort que nous, surtout sur une small mid cap, si un hedge fund décide de shorter ou inversement. Donc, c'est à nous d'être convaincus. Après, on fait tous des erreurs. Et je pense que quand on dessine un cas d'investissement, on sait les 2-3 raisons pour lesquelles on a la valeur. C'est assez simple en général. Et dès que ça devient compliqué, justement, c'est jamais très bon signe. Et c'est pour ça que nous, on se concentre sur 30-40 valeurs pour que les choses soient le plus limpides possible. Pour là, c'est quand on commence à avoir des doutes, et l'autre, c'est quand ça devient compliqué, il y a une petite alerte. Hein, ça on a un univers qui est très riche, donc autant essayer, c'est sous notre jugement, de trouver le meilleur condensé en fait, de valeur. Oui, c'est très clair. Vous avez un gisement pan-européen. Est-ce que vous avez des préférences pays ou pas? Vous disiez tout à l'heure, Sébastien, que vous aimiez bien l'Italie, alors, vous parliez de Mars. À très long terme, j'aime toutes les valeurs qui peuvent être best in class en quelque sorte. D'accord. Je pense que c'est comme le vin en France. Il y a du bon vin blanc, il y a du bon vin rouge, il y a du bon vin en Bourgogne, du bon vin en Bordeaux, etc. Je pense qu'ensuite, il faut être juste pragmatique. Aujourd'hui, on a une particularité, une spécificité qui est peut-être aussi liée à mon historique parce que j'ai été, avant d'être un gérant en croissance, aussi un gérant value. Donc, j'apprends justement, c'est ce côté humilité. Ouais. Je connais bien la côte italienne qui a pendant des années été délaissée avant d'être découverte par le pire il y a quelques années, si vous vous rappelez, qui était l'équivalent du PEA où tout le monde s'est mis à acheter des valeurs italiennes. Ouais. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est je regarde quelles ont été les valeurs favorites du consensus des gérants italiens. Enfin, des gérants européens qui ont découvert en fait ces valeurs italiennes, et j'essaye de trouver celles qui ont été délaissées. Je vous ai parlé de Mar, il y a un autre exemple qu'on peut avoir aujourd'hui en portefeuille, pareil, sur une idée d'un jour d'une normalisation en fait du monde post-Covid, c'est l'acteur italien Fila, qui donc fournit c'est les fournitures scolaires, donc d'accord, c'est les crayons quand vous avez des enfants bas âge qui vont justement dans les écoles. Aujourd'hui, c'est une activité qui a souffert, il y a eu des écoles qui ont fermé, même si on reconfine en fait en Angleterre, on a à peu près 75% de l'activité aujourd'hui qui est déconfinée, il reste le Mexique et l'Inde, mais là aussi sur un horizon normalisé, les choses devraient bien se retourner, c'est une valeur que beaucoup de gérants ont détenue il y a 3-4 ans, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas à la normale, mais là aussi c'est du dosage, c'est beaucoup de communication avec la société, c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle est encore délaissée. Votre terrain de jeu, si je devais faire un tiercé, donc votre terrain de jeu privilégié en Europe, c'est l'Italie. Quoi d'autre? Aujourd'hui, notre première exposition, c'est l'Italie, avec justement ces valeurs-là. On a également Piaggio, le meilleur moyen de transport quand on est déconfiné en quelque sorte. La deuxième exposition, c'est l'Allemagne. La troisième exposition, c'est la France. C'est aussi un marché qu'on connaît bien avec nos deux autres fonds, Quadrige et Quadrige Rendement. Mais là aussi, tout peut changer assez vite. Je vous parlais d'agilité, de pragmatisme. Ouais. Tout dépend de nos idées d'investissement et de nos convictions.
Même question, Raphaël. Votre tiercé, c'est quoi vos grandes expositions en ce moment? Pour faire simple, la France, je dirais, pour la Valo. Parce que jusqu'en 2017, la France avait bien marché. C'est un peu culminé avec l'élection d'Emmanuel Macron. Bon, après, on a eu un contre-coup assez fort. Hein, la France a sous-performé. Donc la France pour la Valo. Je dirais l'Allemagne pour le terreau d'innovation. Il y a beaucoup de sociétés très innovantes en Allemagne. Et la Suède pour la qualité générale des entreprises, de leur management, de leur clarté, de leur transparence, de l'ESG aussi. La Suède est vraiment un excellent élève en Europe. Question subsidiaire, vous parlez de la Suède. Quand on sort de la zone euro, on couvre ou on laisse courir le risque de change? Nous, ce qu'on fait, donc effectivement, on est en couronne suédoise, alors bon, qui est effectivement un peu de toute façon de variation face à l'euro, même si ça peut arriver. On regarde beaucoup surtout l'activité sous-jacente. Il ne faut pas ajouter une couverture à quelque chose qui serait finalement non exposé. Si c'est un exportateur, par exemple, il n'y a aucun sens de couvrir la devise, même si elle est cotée en devise. Donc on regarde beaucoup ça. Après, ce n'est pas des taux d'exposition qui sont massifs dans le fond. Oui. Donc on fait relativement simple. Si jamais ça devient important sur des activités D'accord. domestiques, là, on peut couvrir. Mais sinon, D'accord. on préfère ne rien faire. Même question, Sébastien, on couvre ou pas? Alors, quand on sort de la zone euro. On est expert de peu de choses, mais on essaye d'être le plus expert possible dans ce qu'on fait. D'accord. On n'est pas expert des devises. Donc, du coup, on va pas rajouter une couche de... Je ne vais pas couvrir. Je peux, par contre, clairement investir sur une de ces sociétés, mais tout simplement parce que si elle est best in class, en général, elle a du pricing power, et que le sujet de devise n'est qu'un sujet éventuel de très, très court terme, ouais. et que les D'accord. fondamentaux sont supérieurs, en quelque sorte. Okay. C'est ce que j'espère, et donc c'est pour ça qu'on se contente, entre guillemets, d'essayer d'être le plus expert possible dans notre domaine de compétences. Ok. Est-ce qu'il y a une espèce de tiercé inversé, c'est-à-dire des terres d'investissement sur lesquelles vous préférez ne pas aller, des juridictions, des pays dont vous dites... Nous, on est très ouverts. On a beaucoup investi en Grèce en 2015, au moment où c'était vraiment... interdit, quoi. Un peu rock'n'roll, hein. On a même eu du mal à l'époque. Nos premiers investissements en Grèce, c'était juste après la réouverture de la bourse qui avait fermé pendant 3 semaines, en plein été, en 2015. Et on avait... tous nos brokers avaient coupé la Grèce. Il y avait juste un broker de small cap français qui nous avait permis d'aller investir en Grèce sur une activité qui n'avait rien à voir avec l'activité domestique. Mais les titres s'étaient fait... complètement massacré. C'était un bon call, c'était un bon pari. Oui, ça a très très bien marché. Donc ça a marché. Donc non, on est très agnostique, mais après, comme disait tout à l'heure Sébastien, hein, il y a des très belles sociétés partout et il faut regarder ça en détail. Ok. Voilà. Pareil, Sébastien, même question, pas de tabou au niveau pays. Nous, le plus important, il faut comprendre. Après, on parlait d'ESG. Dans l'ESG, il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est le G, mais qui nous a toujours intéressé avant même qu'on parle d'ESG, c'est la gouvernance. Et pour moi, le critère le premier, c'est l'alignement des intérêts entre l'actionnaire principal, les dirigeants et les actionnaires minoritaires, donc mes clients en quelque sorte, pour être sûr qu'ils ne soient pas lésés et que toute décision soit prise dans l'intérêt de mes clients. Donc c'est ce que je regarde le plus. Donc c'est à la fois dans les rapports annuels, dans les organisations des sociétés, mais aussi parfois selon les places boursières, parce qu'on peut avoir des protections d'actionnaires minoritaires qui sont plus ou moins fortes selon certains pays. Absolument. Pour moi, c'est la partie la plus importante. Et c'est aussi parce qu'on a des fonds concentrés, 30-40 valeurs. Donc allons sur des choses simples et limpides. En matière de gouvernance, les choses qui vous mettent la puce à l'oreille, qui vous inquiètent, dont vous dites... Nous, on adore les sociétés en fait, dont l'actionnariat est familial, parce que c'est des gens qui, en fait, déjà partagent les mêmes intérêts que nos clients, qui ont aussi une vision industrielle de long terme. Donc, c'est un avantage, notamment quand on a une crise, parce que du coup, elles sont capables d'investir à contre-courant pour sortir gagnant d'une crise, à l'indifférence de beaucoup d'autres sociétés qui sont gérées à très court terme et qui, du coup, vont tout couper et ne vont pas forcément profiter de la crise. Donc, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Et moi, j'aime bien regarder aussi les mécanismes de rémunération des dirigeants et de l'ensemble des employés. Je pose toujours comme question... Au-delà des dirigeants, quel est le nombre de vos employés clés en fait, et comment les rémunérez-vous? Je déteste par exemple les stock options pour des dirigeants de société, parce qu'ils n'ont que le risque à la hausse, alors que mes clients ont aussi un risque de baisse. Absolument. À l'indifférence, ça peut tout à fait s'expliquer pour justement les 200, 500 employés qui suivent, en fait, qui sont clés dans l'organisation du groupe. D'ailleurs, là-dessus, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que dans les small caps, il y a effectivement beaucoup de sociétés qui sont détenues par des fondateurs ou des familles, contrairement aux large caps. Où il y a bien sûr parfois des familles, mais la plupart du temps, ce sont des managers professionnels qui arrivent et qui sont rémunérés via des stock options. Donc bien sûr, ils voient l'upside, mais finalement, ils sont beaucoup moins concernés par le downside qu'une société familiale où tout le patrimoine de l'entreprise tout est le patrimoine. Donc ça peut aussi être un facteur important de la surperformance des small caps à long terme. J'ai l'impression qu'au niveau, l'un comme l'autre, au niveau sectoriel, vous êtes agnostique.
Vous dites, s'il y a de l'innovation, de la croissance, si l'entreprise est leader, quel que soit le secteur, elle peut m'intéresser. C'est un peu ça, votre mantra? Alors oui, c'est ça. Hein. Pas de dos, amoureux de rien, mais par contre, on aime des critères précis. Après, en fait, il y a... Alors, c'est toujours difficile, parce qu'on a dans nos têtes, en fait, des choses qui peuvent être différentes, mais il y a des axes de travaux, en fait, sur lesquels on va éventuellement focaliser. Tout à l'heure, je vous disais que pendant le premier confinement, j'avais regardé plutôt des sociétés dont l'exposition asiatique était importante. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à des sociétés qui représentent des petits tickets de consommation, pour deux raisons. La première, c'est, en général, un petit ticket de consommation, pendant une récession, pendant une crise, c'est un peu la dernière... élément qu'on coupe, en quelque sorte, à la différence d'un gros capex. Et puis, l'autre élément, c'est qu'un petit ticket de consommation, ça peut repartir plus vite. Demain, et je l'ai vu, et je pense qu'on l'a tous vu autour de nous, en fait, dès qu'on a déconfiné, les gens se sont précipités dans les restaurants. C'est pour ça que mon idée, éventuellement, dans Kinépolis, c'est que du jour au lendemain, c'est une activité qui peut repartir assez vite. Et puis, c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu beaucoup de films qui ont été décalés, mais que du coup, dès que les cinémas vont rouvrir, on va avoir un box-office rempli de blockbusters, et sans doute d'ailleurs un peu trop. Donc, c'est aussi beaucoup de pragmatisme, beaucoup de bon sens, et beaucoup d'humilité, comme je le disais tout à l'heure. Raphaël, pareil, vous, pas de préférence, de biais sectoriel, tout vous intéresse? Tout nous intéresse. Après, lourde, de la plasturgie, de la techno. On regarde tout. Effectivement, l'élément, c'est déjà le domaine de compétences. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a très rarement de biotech, parce qu'on considère qu'on n'est pas compétent. Et puis, les résultats sont très binaires, en fait. Hein, soit ça marche, soit ça marche pas. Soit on gagne beaucoup d'argent, soit on en perd. Voilà, et souvent, on en perd beaucoup. Ouais. Surtout dans une perspective de long terme. Non, après, on regarde beaucoup la valo. Et aujourd'hui, on a un petit peu de mal avec une petite partie du marché. Dans l'ensemble, les small caps sont pas chers, mais une petite partie du marché qui est le software ou les sociétés de très forte croissance. Je parle un peu, je fais des généralités. Hein. Mais si on prend le marché français, vous prenez des sociétés comme Esker, comme IGE, XAO, sociétés d'excellente qualité, il n'y a rien à redire sur le management, sur le parcours, tout est parfait. Mais c'est justement des sociétés qu'on connaît depuis 10, 15, 20 ans parfois. Et donc, on les a connues aussi dans d'autres périodes où elles étaient tout aussi excellentes. Et les valorisations, pour le coup, étaient beaucoup moindres. IGEXAO, on en a eu en 2010, ça valait 3 fois le résultat d'exploitation. Ils ont fait ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, ça vaut 20 fois. Voilà. Parce qu'on dit qu'avec les taux bas, ça peut valoir. Voilà. Donc, nous, on est très, très sceptiques sur les valorisations de ce segment. Je dirais technologique, mais ce n'est pas forcément que technologique, c'est surtout de croissance visible. Oui, il y a des phénomènes d'engouement. Voilà. Il y a des phénomènes de mode, d'engouement qui font que les valos explosent. Les business vont continuer a priori à aller très bien. Par contre, on est plus sceptique sur les valos ou en tout cas sur le potentiel d'upside. Bon, ça nous a plutôt coûté ces dernières années, hein, puisque ça a très très bien marché. Voilà. Mais sinon, sur le sujet valorisation, je pense que voilà, on évite plutôt ce genre de segment. Et sinon, on aime bien voilà, les sociétés, le sujet un peu GARP, donc croissance à valorisation raisonnable. Et puis la value qui effectivement a tellement souffert depuis 3-4 ans, beaucoup dans les large caps, mais aussi dans les small caps, alors même si elle va un peu mieux depuis début novembre. Voilà, en termes sectoriels, okay. Sinon effectivement, on est vraiment agnostique. Agnostique. Il y a un thème que j'aimerais qu'on aborde, qui peut être, pas un thème qui fâche, mais qui peut être, c'est la question des encours. Parce que l'un comme l'autre, vous disiez tout à l'heure, Sébastien, gestion de conviction, 30-40 valeurs en portefeuille, on est sur des petites, des moyennes valeurs, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on collecte, la question de la taille, de la manœuvrabilité de votre fonds, elle se pose à partir de quel moment? Alors aujourd'hui, on a de la place, on a un fonds qui fait 100 millions d'encours, d'accord, un petit peu plus de 100 millions, d'ailleurs qui n'a pas souffert de fortes variations d'encours en fait durant l'année 2020, sans doute parce qu'il y a aussi une meilleure compréhension aujourd'hui, à la différence peut-être il y a 10 ans, de ce que sont les small et mid cap. Et puis là aussi, en fait, c'est dans la gestion d'un portefeuille, dans la construction d'un portefeuille, dans l'expérience du gérant. Ça fait 20 ans à peu près que je fais des small et mid cap. J'ai dans mes donc clients... Donc à 100 millions, vous êtes à l'aise. Et vous êtes à l'aise jusqu'à quel montant d'encours? En fait, on est très à l'aise parce qu'on a un vivier en fait, qui est très large. Sur les plus de 3000 valeurs qui sont dans mon univers, je peux investir juste de 100 millions à presque 10 milliards en fait, de capi boursière. De 10 milliards, pardon, de capi boursière. Ouais. Aujourd'hui, on a des outils en fait, en interne qui nous permettent de suivre la liquidité du portefeuille. On a dans nos clients, on a des conseillers en gestion de patrimoine, bien sûr, on a des banques privées et on a également des institutionnels avec notamment depuis 2 ans le fonds Emergence, donc le fonds un peu référence de place, qui en fait nous a aidés, parce que justement, je pense que tous les clients aussi nous aident à nous améliorer, c'est toujours important. Et on a justement un ratio de liquidité du portefeuille, donc sur une base tiers volume. On sait aujourd'hui à l'intérieur de Quadrige
Europe Midcap, qu'on peut liquider plus de la moitié du portefeuille en une journée et plus de 75%, d'accord, quasiment 80% en réalité du portefeuille en 5 jours. Et ça, c'est sur du tiers volume. Nos expériences font aussi avec des brokers locaux qu'on peut avoir, on peut parfois faire des blocs. Donc, ça fait partie de l'ADN, ça fait partie des risques, bien entendu. Ce que vous nous dites et ce que vous nous expliquez, c'est qu'a priori, pour vous, sur ce fonds, la problématique d'encours, de taille, de manœuvrabilité, elle ne se pose pas. Et l'autre particularité, c'est aussi la raison de notre agilité de gestion, c'est-à-dire qu'on suit les flux. Quand à un moment donné, j'ai un événement qui fait que les flux positifs, ouais, vont arriver sur une valeur, je vais en profiter justement pour alléger parce que je sais que les fenêtres de tir dans les prochains jours ne seront peut-être pas les mêmes. D'où l'intérêt justement de ne pas faire du buy and hold pour nous sur les small et mid-cap, et c'est sans doute une de nos spécificités. D'accord. Pour vous, Raphaël, la question des encours, alors, c'est une non-question aussi parce que ce que me disait... Non, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'effectivement, Sébastien est un peu plus mid aussi. Jusqu'à 10 milliards, nous on s'arrête avant. Nous on s'arrête à 1 milliard parce que c'est un fonds éligible au PEA PME, donc c'est la contrainte. Donc on s'arrête un peu plus bas. Le fonds fait 120 millions aujourd'hui. Non, la question elle est très pertinente. Aujourd'hui, elle se pose moins parce que en fait, sur la période 2018-2019, ouais, les fonds small cap en général ont beaucoup collecté, ce qui a entraîné cette sous-performance, beaucoup décollecté sur ce segment. Donc aujourd'hui, on est plutôt en baseau en fait. L'intérêt pour le segment des small, il est très 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 récent au cours des dernières années. Nous, en 2017, on avait fermé notre fonds en souscription. Il y avait beaucoup d'engouement à cette époque. On s'était arrêté à 250 millions, mais c'était aussi lié au contexte. 250 millions, avec un environnement de marché compliqué, on se dit, c'est pas la peine de prendre du cash supplémentaire. C'était surtout qu'en 2017, il y avait quand même beaucoup d'engouement pour les small caps. Et nous, au niveau des valos, on était un petit peu gênés. C'était pas une situation de bulle, mais on était un peu gênés. Ouais. Et donc, on préférait être discipliné et préserver le track record et justement l'agilité du fonds et dire, on s'arrête là. Entre-temps, il y a eu un mouvement inverse de retrait sur le segment, nous compris. Mais aujourd'hui, le terreau est extrêmement fertile. Il y a beaucoup d'idées. D'accord. Les valos sont très raisonnables, voire basses sur toute une partie du marché. Donc aujourd'hui, on pourrait aller au-delà de 250 000. D'accord. Bon, aujourd'hui, on est à 120. Voilà. Mais voilà, c'est ça qui est important quand même. C'est un peu regarder le contexte aussi. Je pense qu'il faut avoir en tête, c'est notre lecture, on peut se tromper bien entendu, que depuis 2018, en fait, les investisseurs sont plutôt en risque off. C'est-à-dire qu'ils sont investis sur les actions, plutôt d'ailleurs ça a été les large caps, comme disait Raphaël, parce que les taux d'intérêt sont tellement bas qu'il faut quand même trouver du rendement, donc c'est de l'investissement par défaut. Ouais. Mais que justement, si on est à un point d'inflexion macroéconomique, c'est ce que nous, on avait considéré fin 2018, d'où l'accélération, si on s'en rappelle, qui avait été assez sensible sur le second semestre 2019. Si de nouveau on revient à risk-on, et nous c'est ce qu'on pense en fait possible, c'est qu'on a un alignement des planètes qui est en train de progressivement de se mettre en place avec les banques centrales, les plans de soutien, et ça c'est mondial, avec sans doute une opportunité pour l'Europe qui, je le disais tout à l'heure, fait de la Fed au niveau de la banque centrale, des plans de soutien de 750 milliards en Europe. Pour la première fois depuis 10 ans, on a une sorte d'uniformité en fait entre les pays. Donc les gérants hedge funds qui shortaient entre guillemets l'Europe pour l'explosion de l'Europe, bah, a priori c'est pas pour tout de suite. Et puis le dernier élément, c'est l'inflexion dans les discours en fait et dans l'optimisme des dirigeants. On l'a commencé à le voir au troisième trimestre et peut-être encore au quatrième trimestre. On verra sur les prises de commandes. On a en tête une valeur SES Imagotac qui a quand même connu une forte inflexion à la hausse en fait de ses prises de commandes en fait en fin d'année. Et donc tout ça avec les arrivées de vaccins devrait permettre un sentiment de confiance. Et historiquement, alors pareil, le futur, le performance passé ne préjuge pas du futur. On est d'accord. Mais historiquement, les small et mid-cap font toujours bien, très bien, en début de cycle. D'accord. Parce que justement, on a cet élément d'accélération de croissance et de flux. C'est justement ce qui est au cœur de notre gestion. Allez, il nous reste 5 minutes. J'ai encore 2 ou 3 questions à vous poser. Des réponses claires, factuelles, concises. Que faut-il mettre en ce moment dans les portefeuilles pour demain? Parce qu'on est sur une période, on ne sait pas si on va être reconfiné, on a des informations contradictoires, ça manque de lisibilité, tout est compliqué. Qu'est-ce que vous avez, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en portefeuille? Non, ben nous on aime bien effectivement les sociétés cycliques, alors qu'on a déjà depuis pas mal de temps un peu à manière contrariante, hein, parce qu'effectivement le cycle n'était pas bon, mais les valos étaient par contre extrêmement basses. Ouais. Donc là-dedans, bon, je sais pas, on a en France, on a du Jacquet, on a du Aquel, par exemple, dans les équipementiers automobiles, on a mentionné Safoland aussi, ouais. On a du Picanol dans les métiers à tisser, par exemple, donc ça c'est des sociétés cycliques qui bénéficieront de la reprise, et je pense qu'elle sera accompagnée
par les banques centrales et par les gouvernements D'accord. pendant un certain nombre d'années. On est très très bas en tout cas au niveau du cycle. Donc voilà ça. Et puis, on va dire des dossiers un peu GARP ou des histoires structurelles de croissance. Nous là-dedans, on aime bien. Alors, c'est presque contrariant aujourd'hui, bizarrement, mais certaines sociétés de e-commerce dans le meuble, notamment qui nous ont beaucoup aidé l'an dernier, hein, de sociétés allemandes, Westwing et Home 24, qui ont bénéficié évidemment des confinements, puisqu'ils vendent exclusivement des meubles et de la déco en ligne. En plus, c'est de Home Improvement qui a vraiment été un thème important l'an dernier. Mais c'est presque contrariant maintenant qu'il y a les vaccins. Hein. Oui. On pourrait se dire, il va y avoir les vaccins, donc il faut vendre les winners. Bon, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Le taux de pénétration du e-commerce dans ce segment de marché, il était très faible. Donc là, même s'il a monté, en fait, c'est plutôt l'étincelle qui va faire que. En plus, ces sociétés n'étaient pas préparées pour encaisser de telles croissances de chiffre d'affaires. Elles n'avaient pas forcément les stocks. Mmh. Hein. Donc, en fait, il y a plutôt des adoptions de comportements qui sont prises par les gens. Tout comme il y a 20 ans, mettre son numéro de carte bleue sur Internet, c'était juste parfois fou. Ouais. Et ben aujourd'hui, voilà, on se dit acheter des meubles, ça rentre dans les mœurs. Voilà. Donc on pense qu'il y a des histoires structurelles qui sont accélérées par la pandémie. Même question, Sébastien. Qu'est-ce qu'on met là en ce moment? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met? En soi, les mêmes valeurs de notre univers, sauf qu'on essaye d'être pragmatique encore une fois. Déjà, beaucoup de convictions, donc des taux d'investissement qui sont importants, à peu près 98% en fait de taux d'exposition actions dans nos portefeuilles. Ensuite, on essaye d'être pragmatique. Donc, trois axes. Les petits tickets de consommation dont je vous ai parlé. Oui. Donc, la normalisation des modes de vie. L'autre élément, on n'est pas dans le match cyclique, value, croissance, etc. En revanche, on trouve qu'il y a des valeurs industrielles qui, quand elles présentent en fait des niveaux d'inventaire qui sont bas, quand elles ont beaucoup investi dans les dernières années, donc avec des surinvestissements potentiels, et surtout quand elles ont fait déjà des plans d'optimisation de leurs coûts avant la crise du Covid, sans doute elles peuvent offrir de l'upside en termes de surprise par rapport aux attentes de consensus. D'accord. Donc un exemple parmi nos valeurs, c'est notamment la valeur espagnole Restamp, qui a été justement un peu un best in class dans l'industrie automobile dans les 10 dernières années, qui a surperformé la croissance d'une industrie automobile en fait, qui était quasiment flat en fait, en termes de production. C'est une valeur qui était capable de croître de 9-10% tous les ans, certes avec des capex, mais justement ces capex sont derrière nous. Et on pense qu'il peut y avoir peut-être un levier opérationnel qui peut surprendre à la hausse, mais ça on verra, là aussi il faut être humble. Et puis le dernier axe, on en parlait, on aime les sociétés qui n'ont pas de dette. Là aussi, quand on se concentre sur peu de valeurs, bah, autant prendre celles qui sont fortes avec des bilans solides. On trouve aujourd'hui des sociétés qui ont des excès de cash. Et un excès de cash, quand on est en période de crise, bah, c'est une opportunité historique d'acheter des concurrents et de se renforcer. Donc là, c'est le belge Barco, par exemple. 250 millions de cash on y reviendra sur une capi d'un milliard. Si on a le temps, on répond à la question de notre table ronde. Quelle place pour les petites et moyennes capitalisations? Donc, vous nous avez expliqué comment vous gérez. J'en mets combien dans mon portefeuille? Ça doit peser quoi dans un portefeuille? C'est quoi vos préconisations, l'un et l'autre? Qu'est-ce que vous dites? Allez. Alors, Sébastien, qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, je pense en synthèse, on a très peu de temps. En synthèse. Les performances passées ne préjugent pas du futur. On est d'accord. Mais à 10 ans, 20 ans, la surperformance des small mid-cap versus les larges me fait penser qu'il vaut mieux avoir, enfin, il faut en avoir en portefeuille. Quand je regarde le MSCI Small EMU sur 20 ans, il faut en avoir combien? Est-ce que vous prononcez là-dessus? Alors, ou pas? La pondération, ça, c'est un travail d'allocataire. D'accord. Moi, je suis stock picker. Okay. Donc, c'est mon expertise. En tout cas, j'essaye. L'allocation, en fait, elle est faite par le CGP, par le gérant privé, comme on a chez Inocap, qui, justement, en fonction de l'aversion au risque de son client et de ses objectifs, profil de chacun, va doser. Le fait qu'il faille en avoir, on l'avait bien compris et vous êtes très convaincant là-dessus. Ma question, c'est combien on en met dans une poche action? Moi, de manière peut-être un peu surprenante, je prêche pour évidemment ce que je fais, mais pour moi, c'est plutôt une pondération assez cœur, en fait. Assez du cœur. C'est pas diversifiant, puisque ma conviction, c'est que les small caps, ça surperforme sur longue période pour tout un tas de raisons qu'on a évoquées. Aujourd'hui, les valos, elles sont plutôt dans la fourchette basse, en fait, historique. Et puis surtout, on n'en a pas trop parlé, mais dans les small caps, il y a une capacité pour les stock pickers à surperformer qui est beaucoup plus forte que sur les large caps. Il y a beaucoup plus d'inefficience. Voilà. Donc, ça dépend un petit peu, par contre, du client, ça dépend de l'investisseur, parce qu'il peut y avoir des périodes de forte volatilité. Et donc, la capacité à tenir, voire à réinvestir en bas est importante. Il ne faut pas être son propre ennemi. Donc, il faut aussi jauger, en fait, sa propre capacité à tolérer la volatilité. Est-ce que vous tentez l'un et l'autre le 20 secondes ou pas? Est-ce que vous souhaitez ou pas nous résumer votre proposition de valeur en 20 secondes? C'est quasiment montre en main, hein, là, les amis. Non, moi, ce que je dirais juste, c'est qu'aujourd'hui, le terreau, il est favorable sur les small caps. Il faut y aller. Donc, il faut y aller. Il est moins favorable qu'il y a 3 mois, mais il reste encore très favorable. Et c'est le seul mot que j'ai envie de dire. OK.
rester discipliné dans son approche. Quadrige Europe Midcap vient de fêter ses 5 ans, un TRI autour de 10%. Il y a eu des mauvaises années, il y en aura encore sans doute demain, mais quand on est discipliné, quand on fait le travail sur le terrain en étant humble, on peut avoir des performances à long terme. Raphaël Moreau, Sébastien Lemonnier, merci d'avoir été avec nous. Merci de vos explications sur le potentiel des petites et moyennes valeurs. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel atelier. À très bientôt.